m'a demandé nous koto chita ou met chita ouvrez bibou ensemble avec 1 Samuel chapitre 17 verset 46 1 Samuel chapitre 17 verset 46 dans le livre 1 Samuel chapitre 17 le verset 46 nous lit comme ça aujourd'hui même l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Osons défier les géants qui nous menacent. C'était ça que m'dare aimé développer avec Wassoya. Malheureusement, temps fait nos défauts parce que nous avons commencé en retard. Mais quand bien même, dans un petit bout de temps que nous gagnons, nous avons avec vous seulement deux points pour permettre à ce que nous avons édifié Wassoya. Osons défier les géants qui nous menacent. Bien mes frères Maxime, nous avons débattu un thème depuis environ 3 semaines qui c'est un défi à relever. Yon défi, c'est qui ça lié? Yon défi, c'est action de provoquer quelqu'un en combat singulier. Action de provoquer quelqu'un en combat singulier. En pile là, nous sommes à l'école Haïti, même avec. Nous sommes à l'école. N'a fait des autres dans la rue Timoun a pou mak Timoun et puis nèg ki pi gros pou nèg pa sou yo prend un poussière terre met nan men yo et puis yo met devant avec on l'autre moun et puis depuis poussière terre terre al sou et pou porter bataille avec moun donc son provocation donc nous dit que yon défi c'est action de provoquer quelqu'un et chaque fois que ou a provoquer yon moun yon nan bagay ko a chercher joindre nan moun ko a provoquer yon. C'est la peur ou à battre pour faire entrer dans le monde. Parce que depuis que le monde paraît devant pour le provoquer, il y a un bagage que vous mettez dans la tête, qu'on le paraît devant, il provoque, dans le genre paraît là, ou à peur. Et puisque la peur entre dans où, la peur a accès pour le combattre. Mais cependant, nous t'arrêtons même parler de un autre thème à soi qui c'est la victoire. Victoire, c'est un thème que tout le monde, quel que soit le monde lié, chrétien ou pas, yo t'a remet tant de parler. Tout le monde remet les parler de la victoire. Tout le monde t'a remet gagner victoire tout. Mais yon nan notion que nous pas maîtriser, c'est que la victoire pas qu'a fait pour tout le monde en même temps. La paix bon Dieu avec l'église. Tout le monde pas qu'a gagner la victoire en même temps. En pile fois nous t'a remet ouais, on pas qu'être monde dans la rue à courir monter courir descendre pour dire que yo gagne victoire. Mais pourtant, n'oubliez que tout le monde pas qu'a gagner victoire en même temps. Parce que pour gagner une victoire, il faut gagner premièrement un combat. Il faut gagner deuxièmement un vainqueur. Et il faut gagner deuxièmement un perdant. Troisièmement un perdant. Et puisque pour gagner une victoire, il faut gagner un combat. Et dans un combat, deux personnes ne peuvent pas gagner. Il faut que c'est un seul monde qui peut gagner. Donc nous avons besoin qu'on ait que, là nous avons une bataille, eh bien, le monde qui a gagné une victoire, là, c'est un monde qui a gagné, mais nous tous deux ne pouvons pas gagner une victoire en même temps. C'est ça que fait, là, un chrétien. Avec yon païen campé en côté, eh bien, les chrétiens a parlé de victoire. Li pa parlé de victoire en tant que tel, en tant que lui-même. Parce que nous-mêmes, nous avons côté de nous cacher. Parce que pour nous gagner victoire, chrétien, le monde qui a campé pour nous dire, yon gros nèg, yon ceci ou cela, parce que yon senti que yon gagne bois de bananes. Mais cependant, nous-mêmes, chaque fois, nous besoin de parler. Pour nous parler, il faut nous cacher en basel Jésus. Gaz mon Dieu avec l'église. Pour nous-mêmes, pour nous parler de victoire, il faut nous cacher qui côté? En basel Jésus, parce que nous-mêmes, tout gros nous gros nègres, tout c'est moins abdiant, c'est parce que nous cachons derrière Jésus de Nazareth. Eh bien, moi je voulais dire, moi je voulais baou, il y a un petit conseil à soi. Et je prends seulement deux points là-dedans. Pour yon moun affronter une difficulté, pour yon moun affronter une vicissitude, il y a un bagage que nous avons besoin qu'on ait, il faut qu'on cherche à identifier le problème. Non. Identifier le défi d'abord. Et c'est yon nan bagage que on moun a besoin imiter dans David. Premièrement, David cherchait identifier ça devant lui. On allait ouais non,
Ephésiens chapitre 6, verset 12. Pour identifier l'adversaire qu'on gagne. Qui t'aime dire avant l'anniversaire, Ephésiens chapitre 6, verset 12. Qui t'aime dire avant l'anniversaire. Pour yon moun bien étudier texte là, yon n'a pas besoin qu'on ait aujourd'hui. Le n'a pas étudié texte là, yon n'a pas besoin qu'on ait aujourd'hui. Bataille David avec Goliath là, c'était une bataille physique, une bataille corps à corps. Mais une bataille que moi-même, ensemble avec vous, n'appelle aujourd'hui, ils sont bataille spirituelle. Grâce à Dieu avec l'église. Bataille David là, c'est une bataille physique, une bataille corps à corps, une bataille moué mounan web. Et toute bataille qu'on a menée, où est mon nom, où est mon accès pour gagner. Grâce à Dieu avec l'église. Pour mener bataille avec yon moun, de pouvoir mener bataille avec yon moun, ou ka wè moun nan ka wè ou, lè l'vo e kousou ou gen accès pour esquiver kou. Lè ou même vo e kousou li tout, li gen accès pour retirer kol pour la pren kou. Pour qui ça parce que ou elle et li wè ou. Mais bataille pas nous, que nous menons aujourd'hui, li plus difficile que bataille David à Goliath là. Parce que moun que nous menons, nous pas wèl. Grâce à Dieu avec l'église. Bataille que nous avons menée moi-même avec vous, nous pas well. Mais heureusement, monde que nous avons bataille avec là, nous pas well. Mais le Seigneur dit nous un bagaille. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, pour nous combattre avec esprit ça yo, puisque nous pas qu'à voyons esprit. Et la Bible fait nous connaître que c'est l'esprit qui a communiqué avec l'esprit. Et bien, seul moyen pour nous gagner bataille là devant l'ennemi que nous avons mené, et bien, il faut nous cacher derrière Jésus, parce que Jésus, son esprit, il a accès à fourrer main, il prend l'esprit en combat pour nous. Grâce bon Dieu avec l'église. Bon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a accès pour le fourrer main, pour le combattre l'esprit pour nous. Et il y a une bagarre que nous dans David. David, premièrement, ça le cherche à faire, l'identifier l'ennemi. David dit. Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Les David finissent comprendre plan bataille. David songeait, David allait sur le champ de bataille. Les David arrivait, David questionnait d'abord pour demander ce qui a passé là. Qui ça gagne là même? Et ceci, c'est dans le 40e jour. 40 jours, on ira insulter le peuple de Dieu. L'a insulté l'Éternel des armées. Et puis, sous 40e jour, David paraît. Qui aime son petit bagaille. En attendant, ou pas besoin de faire dans le sac de vous, non? Même si vous êtes jusqu'au dernier moment, puisqu'on était collé avec Jésus, vous avez gagné la bataille. David vient paraître. Le peuple Israël a fini perdu espoir. Parce que 40 jours, on est paraît matin, midi, soir, la vie provoquer mon Dieu. David pas dit la provoquer peuple bon Dieu d'abord non. David dit la provoquer bon Dieu, la provoquer l'Éternel. Et puis dans 40e jour, c'est là ça David paraît. Et David a cherché qu'on est qui est circoncis ça. Ça qu'a passé là sous champ de bataille là. Parce que David te voulait prendre responsabilité. Pour David prendre responsabilité, faut David connaître ça qu'a passé. Et pour David connaître ça qu'a passé hein, puisque il part sur le champ de bataille, il oblige à demander. David a demandé, ça qui a passé là, expliquez-moi ça qui a passé là. Il a expliqué David. Du moment où David prend connaissance de ça qui a passé, qui c'est David fait? Qu'on est David prend la responsabilité. Ou qu'on a un grave problème que nous avons, en pile fois, nous avons un peu de charge. Grâce à Dieu à vous. En pile fois, au lieu de affronter la bataille, gens pour affronter là, chercher des connaissances de lui. Mais pourtant, nous avons un peu de charge. C'est un monde qui a un problème. Et bien, qui aime toujours dire, problème qui gagne, défi devant nous, ce n'est pas un monde qui problème. Non. Mais problème, c'est premièrement moi-même. Grâce à mon diable, ou pas d'accord avec ça. Problème, non, c'est moi-même lié. Depuis que je résous le problème, moi personnellement, je peux affronter défi devant moi. C'est problème que je n'ai pas besoin d'identifier d'abord. Je veux compte qui problème que je gagne, moi-même, avec mon Dieu. Parce que il y a un plus gros bagage qui bat David, victoire sur Goliath, c'est sa relation avec Dieu. Grâce à mon Dieu avec l'église. Comment relation y avec bon Dieu? Puis gros bagage qui bat David victoire là, il est qui ça? Relation David avec l'Éternel. En pile fois, nous qu'on souffre de isolement et puis nous peur. Et mon connaît ennemi en comprend bien que l'homme en soi nous peur isolement. Moun même nous peur les moun isolés nous. Nous peur mépris. L'homme peur mépris. N'importe moun méprisé dans mitan moun, là on jusqu'à ce qu'elle tout tout était pli et puis côté méprisé là, même voulait pas t'appeler tourner là encore. Mais pourtant, le mépris, il fait partie de la vie chrétienne. Regardez-moi, j'avoue, le mépris, il fait partie de la vie chrétienne.
David, son nez qui était méprisé. David méprisait non seulement la caille papale. Mais là, David paraît sur le champ de bataille. Pour frère David, yo, méprisait David. Pour dire, sont venus chercher là. Qui sont venus chercher là? Non seulement pour frère David méprisait David sur le champ de bataille là. Mais là, David vivait devant Goliath tout. David traitait Goliath, dit David comme ça que, qui ça m'y est? Son chien? Pour ce ça, y a pour devant. Vous entendez comment ennemi entre tôt? Ça. Mais qu'on est, pas qu'on est. C'est ça l'oué, c'est l'iloué, mais ça dehors là, l'ibawel. Et c'est ça même, c'est ça nous gagner comme pot au mitan. C'est ça qui fait nous camper dans mitan là, il y a pour nous parler parce que nous connaissons qui moun que nous gagner derrière nous. Nous camper pour nous parler. David, devant mépris Goliath, c'est pour David à l'école. Parce que pour Goliath demander, est-ce que son chien lié pour c'est ça pour y avoir devant. Mais David, il n'y a pas de mépris. David pas de bail pour moun pour te charge li. David prend responsabilité. Puisque David a intimité avec le Seigneur, dans intimité que David gagne avec mon Dieu, David a une série d'entraînement que le fait, il fait avec l'Éternel. En pile fois nous mépriser, en pile fois moun voyer nous jeter, moun pas prendre nous pour rien. Nous peur solitude. Gagne moun qui peur l'erreur pour contre yo. Mais gagne moun di bagaille. Là où est moun isolé ou. Là où est moun voyer jeter, c'est un moyen pour Jésus joindre nous. Gaz mon diavol, là où moun voyo jeté qui samedi, c'est un moyen pour Jésus joindre nous parce que là gen moun bokoto pas besoin Jésus. Mais kon pa gen moun ou rete ou isolé pou kontou, laisse ça ou après entrer dans la prière. Et seul moyen pour joindre avec Jésus de Nazareth là, c'est dans la prière pour joindre avec. David dans jardin pour contre lui, la occupé mouton yo. Pendant David dans jardin, puisque le seul, li pa gen temps pour la conversation avec l'autre moun. Pour y apporter tripotage bali pour la prendre ça qui a passé la caille. Mais puisque le pour contre lui, il choisit pour faire un bagaille. Il bâtit une relation avec l'Éternel des armées. David de Jadéan, si flûte dans la bouche, il a joué pour la chanter les louanges de Dieu. Il a baillé mon Dieu gloire. Dans n'importe qui bagaille, il a parlé avec mon Dieu. Et même mon Dieu que David a parlé avec lui, c'est ça me remet dans mon Dieu. L'on cherche mon Dieu prouve-le dans la vie. Grâce mon Dieu avec vous. L'on cherche bon Dieu prouve-le en dans la vie. Puisque David a eu espoir sous l'Éternel des armées, c'est l'Éternel l'a pas adoré, l'Éternel l'a floué, l'a dormi, c'est avec l'Éternel qui dormi, c'est non l'Éternel qui est toujours dans la bouche, li. L'Éternel vient bon ami David. Et chaque monde qui cherche bâti une relation, une amitié avec le Seigneur, ou mettre une récompense sous d'ailleurs. Grâce bon Dieu avec l'Église. Tout le monde qui cherche à bâtir une relation avec l'Éternel ou mettre une récompense derrière. Parce que pourquoi j'aime des gens qui prennent des décisions pour marcher avec mon Dieu après ça pour sortir honte dans la vie? Pourquoi j'aime ça? Ça pourquoi j'aime arriver? David, dans dormi David, David avec l'Éternel. Dans levé David, David avec l'Éternel. Dans marcher dans le jardin, David avec l'Éternel. Puisque David son équipe sans secours. Papa David, pas cœur de David. Maman David, pas cœur de David. Frère David, yo, pas cœur de David. Qu'on y est, faut que David joue dans le monde qui vous cœur pour lui. Tout le monde, bon pouvoir créole qui dit, bœuf qui pas gain que, c'est bon Dieu pousser mouche pour lui. Et ça me donne des audits. Je ne sais pas si bon Dieu pousser mouche dans le monde. Bœuf qui pas gain que, c'est bon Dieu qui pousser mouche pour lui. Puisque David seul, dans le jardin, côté David, eh bien, dans ce David a fait, seule relation que David gagne, c'est relation l'Éternel. L'autre frère David, yo, il y a une relation avec Saül comme moi. Il y a une relation avec ministre. Il y a une relation avec gouvernement. Mais pourtant, David n'a pas approché côté comme ça. Et le bon Dieu a fait affaire. Dans la préparation, mon Dieu, pas qu'il faut souffrir comme ça. Le bon Dieu a préparé. Bon Dieu a préparé David pour David aller en bataille ça. Parce que il comptait sur David. Il voit que David. Il voit David son homme selon cœur lui. Un homme que le remet. Et bien, il a préparé David pour bataille là. Pendant qu'il a préparé David pour bataille là, et bien, ça crie. David. C'est papa David qui est. Le David dans le jardin, le lion vient pour déchirer David. David pour contre lui. Lion a pris un petit mouton pour courir avec lui. Qui moun qui a le bataille avec lui? David. Qui est-ce qui a le bataille avec un lion? Personne. Mais force qui est dans David, ce n'est pas une force humaine, mais son force divine. Et puisque c'est une force divine, eh bien, la force divine n'a pas gagné qu'à combattre lui. C'est ça David gagné comme pouvoir. David dit, mais l'homme qu'on a bataille avec lion yo. L'aime qu'on a battu avec l'ours. M'couri derrière. Bon Dieu, bon pouvoir,
m'aller me poser mes sous yo, m'kembe bouche yo, m'chire yo pour me prendre ti mouton en dedans bouche yo. Et bien même bon Dieu qui t'est campé avec moi t'es bonne victoire là. Bon Dieu ça, mon grand intimité avec elle. Et bien même bon Dieu ça, l'a campé avec moi tout devant Goliath. Est-ce que j'aime gagner yon espoir, yon confiance ferme dans bon Dieu devant bataille qu'on va mener? Est-ce qu'on a une confiance qui est aussi ferme que confiance David dans la bataille qu'on va mener? Yon n'a pas qu'il y a David, David pas peur. David pas peur affronter Goliath. Mais en pile fois, ça crive dans la vie nous. Non seulement nous pas identifier l'ennemi, mais qu'on le paraît devant nous, c'est la peur que le met dans nous. Et l'ennemi, c'est parce qu'il connaît. Dans Genèse, chapitre 3, verset 10, l'Éternel paraît devant Adam, après Adam fin péché. L'Éternel paraît devant Adam dans le jardin. Et puis, l'Éternel dit, Adam, Adam va répondre. Adam, oui Seigneur, nous avons des voix, oui, dans le jardin. Et puis, quand nous avons des voix, mais qui s'adonne, il gagne? Mon père. Première action, il pose dans la parole Adam avec l'Éternel, c'est que Adam peur. Et il y a une chose qui fait Adam peur, là, c'est qu'il s'adonne. Le péché d'Adam. Le péché d'Adam. C'est ça que fait, moi, ensemble avec vous, il y a une chose aujourd'hui, pour une bataille, pour une goumé. Si nous voulons gagner une bataille dans tout bon vrai, pour une goumé, pour une goumé, pour que nous sortions là-dedans, nous ne pas rentrer là-dedans, c'est le péché. Parce que le péché mettait compromission entre nous-mêmes et Satan. Parce que depuis on monde péché ou fait bon Dieu on bagaille bon Dieu pas content la peur entre dans ou peur. Adam dit j'ai peur, j'ai entendu ta voix mais j'ai eu peur. Pour qui ça Adam peur? Juste parce que Adam désobéit bon Dieu. Et le pire je dis si David t'a pas ta Goliath que le te ouais il te gain bon Dieu campé bon côté il croit dans bon Dieu il affronte Goliath. À plus forte raison, je dis à moi avec vous, nous pas avec Goliath n'a poumé. Son Goliath en esprit que n'a poumé avec. Ça m'a dit à ce que nous avons une relation intime avec non seulement le Saint-Esprit, mais faut nous avons une relation intime avec Jésus de Nazareth pour combattre pour nous, esprit devant nous, parce que nous pas elle. Moi, tu es en mission, terrier rouge. Et puis, moi, croisé avec un jeune garçon en tournée missionnaire. Et puis, je me croise avec un jeune garçon, nous gardons son monde possédé. Et puis, monsieur qui était avec moi, yo, dit comme ça que nous pas pocher sous lui, non? Comme ça. Mais on forme un faisceau. Et puis, nous chaque passé, nous chaque yon kebe me l'autre. Et puis, nous faisons prière. L'un fin fait prière là, et puis, élément qui est plus grand, monsieur dit, on avance coulière. N'a pas avancé sous lui au nom de Jésus. L'un avancé sous jeune garçon et puis pendant n'a vini, monsieur campé l'effrayé et puis la couvri ciel pour faire nos grimaces. Pour qui ça parce que les besoin intimider nous. Parce que ennemi c'est ça le fait même. Pour louer qui est souillé, faut l'intimider pour le soir courir parce que n'importe monde qui intimidé devant bagage qui effrayé pour un bagage quoi faire c'est courir. Et puis nous continuons à marcher sous lui. Et puis les va marcher sous lui, les rivé devant et puis il dit comme ça que pile monde qui derrière moi pareil pour que ça parle derrière hôpital. On dit me pas pile monde. Moi me pas carré pile monde non. Mais monde qui pourrait pile monde yo elle déjà. Puisque ou pile monde non ou même. Ni sac nan oua ni pile monde qui derrière yo, nous commandons yo au nom de Jésus pour disparaître. Monsieur pile tombé. Même côté monsieur tombé, monsieur était avec moi aller, yo poser mes sous lui. Yo prier pour jeune garçon levé. Le monsieur fin levé. Monsieur questionné. Questionner nous pour le dire nous consacrer. Nous faisons juste là pour nous délivrer. Et puis, élément dit, monsieur, nous ne pas venir délivrer. Il dit, oui, c'est nous qui délivrer là. Parce que c'est arrêté ou arrêté là. Son groupe monde qui arrête, moi, yo même pas capable avec eux. Tout samedi, c'est arrêté ou arrêté, c'est aller au calavem. Nous avons un peu de côté de aller. Mais pourtant, quand yo avez quand yo avez n'a vini, yo avez mis un campé. Parce que yo pas avancer, yo mettez un devant. Yo pas avancer. C'est ça que fait mando pour qu'ils sont pas l'attaquer moun sa ou dem nan bito m'di ou di ou pa re moun nan puisque m'di m pa re moun nan nous commandons moun ki derrière là pour aller et bien quitter jeune garçon délivré nous dit jeune garçon yon tan moyen gagner pour faire coulier est-ce qu'on connaît Jésus déjà il dit non m'di prend le coulier sou pas prend le virer nous virer y a pas parce que nous pas ka redavo gère baga ou pas ka wè mais son pas ka wè sou te wè il t'a effrayé tellement t'a couru devant.
Mais il y a un bagage qui est bon dans le monde qui connaît Jésus, dans le monde qui connaît bon Dieu, dans le monde qui a une relation avec Jésus. Il y a un bagage qui est bon pour vous, ou pas jamais peur, les ennemis a fait bruit. Le gros lion yo a grondé ou pas peur parce qu'on connaît qui est-ce qu'on gagne derrière là. Mais l'essentiel, pour qu'on ait qui est-ce qu'on gagne derrière là, faut qu'on relation avec moun qu'on gagne derrière là. Pour moun dans derrière là, faut qu'on relation avec lui. Mais si m'a pas une relation avec lui, même si m'a prêt le jour d'hier, jour l'année prochaine, m'a pas jamais entendre. Me songe, je t'ai pas mon illustration. On est cap sorti nos veille de nuit. Et puis monsieur t'a le conduit ménage lui. Et puis il fin conduit ménage à mettre la caille. Et puis il a tourné. Il a tourné en bonne sang pour le baril. Et puis, monsieur dit Somme 23. L'Éternel est mon berger. Pendant que monsieur a récité Somme 23, et puis, nek qui campait devant, il a récité Somme 23. Et puis, il y a un babi qui a dit comme ça. Monsieur, fais vite, nous finissons de réciter Somme 23 pour nous prendre. Ce n'est pas Somme 23 qui a une onction là-dedans, qui a une force là-dedans, mais c'est le nom de Jésus. Et pour nous, Jésus délivré, il faut qu'on ait une relation ensemble avec lui. Et on connaît ça qui empêche, Zambim, que nous ayons une relation avec mon Dieu, c'est nous-mêmes. C'est plus gros défi que nous avons devant nous. Défi assez moins lié. Défi assez ou même lié. Parce que nous avons des bagailles par rapport avec l'étude nous, par rapport avec la classe nous, par rapport avec la famille nous sortie, par rapport avec ça nous posséder, nous ne pouvons pas accepter que nous fait nous. Bon Jésus qui saute dans le ciel, Jésus qui te gloire, lui, qui te richesse lui dans le ciel, l'elle descend, il accepte que ta vie à terre crache dans la figure. Il accepte que vous giflez. Moun qui parle de coller beaucoup Jésus, il a giflé pour qui ça? À cause moi-même ensemble avec vous. Alors je dis, qui ça moun pas de faire nous pour Jésus? Gen de bagaille. De pour qu'on est que c'est pour Jésus qu'on va affronter, c'est pour affronter avec brio. De pour qu'on est c'est pour Jésus, ou apprendre soit prend, c'est pour prendre avec cœur, mais toujours songer, ou apprendre aujourd'hui, mais demain, il y a chanté victoire pour vous, parce que Jésus-Christ de Nazareth est libre contre la victoire. Zami mio, frère Maxime mio, David, il y a un premier bagage que le fait, il a affronté l'adversaire là. Et pour l'affronter l'adversaire là, il cherche à connaître d'abord. Il cherche à connaître qui s'est passé dans le champ de bataille là. Ça a gagné là. Comment ça y est? Et puis, il cherche à connaître et puis, il affronte l'ennemi. Laisse le papa et moun porter responsabilité pour lui. Ou qu'on est en pile fois, nous remet jeter responsabilité sur le monde trop. Ou qu'on est ça empêcher délivrance nous? Ça empêcher que des défis devant nous, les lever. Pour qui ça? Juste parce que n'importe ça qui passe là, nous avons des gens qui sont côté de nos potes là. Mais, prochain ou pas qu'à ennemi, nous bien aimés. Jésus-Christ bat nous deux commandements. L'imandé, c'est pour nous aimer bon Dieu, avec tout cœur nous, tout nom nous, tout ça nous posséder. Deuxième commandement, l'idée c'est pour nous aimer prochain nous, même si nous n'aimons peut-être pas nous. Mais pourtant, nous avons crié ennemi, ennemi, qui est ennemi nous, monde qui est droite nous. Qui est ennemi qui est derrière nous. Monde qui est ennemi, c'est monde qui est en gauche nous. Ennemi, c'est pas lui-même. Ennemi, c'est l'esprit qui campe derrière là. Et ça pour nous combattre là, c'est l'esprit qui campe derrière là, c'est lui pour nous combattre. C'est ça qui fait, en pile fois nous en côté, nous sommes au quartier, sous quartier même bonjour personne pas dit nous. Pour qu'il savait tout le monde ennemi nous quartier. Nous dans l'église tout, nous dans groupe tout, nous on pas dit l'autre bonjour. Pour qu'il ça tout le monde dans groupe là c'est ennemi nous. En pour n'a chanter pour bon Dieu, pour n'a adorer, pour n'a camper dans même assemblée, n'a lever main devant même bon Dieu et puis nous ennemi encore, pour qui bon Dieu n'a lever main là. Pour qui bon Dieu? Problème non c'est moins avoir lié. C'est pour nous résoudre problème non pour nous connaître que moun ki bon côté n'est pas qu'un ennemi parce que Jésus m'a demandé pour me remettre quel que soit sale femme non c'est supporter pour me supporter et il y en a bagaille pour me faire c'est à prier bon Dieu pour demander bon Dieu esprit ça cap utiliser là et bien chasser esprit ça à bon côté retirer le dans lit et puis la suspendre femme souffrir et bien mes frères et sœurs souffrance c'est l'eau oui on l'eau oui qu'est-ce qu'on a le marché qu'on a le mango l'eau patate nous connaissons ça. Mais c'est l'eau tout chrétien, oui. Tout chrétien qui a seul l'eau, problème. Pas de chrétien sans difficulté. Pas de chrétien sans problème. Mais le problème n'en vini, c'est pas moun pour nous porter charge. Il faut nous prendre responsabilité nous pour nous dire problème qu'on nous a sorti. Et nous allons tourner nous sorti. Ou pas moun pour charge. Parce que quand on choisit pour un moun pour charge, le premier bagage qui vient non ou même, c'est que le cœur qu'on a occupé. Et depuis qu'on est occupé, l'Esprit bon Dieu n'a pas une place là-dedans, on met à prier matin, midi et soir, c'est pour grand messie à prier parce qu'on est dans cœur occupé. On suspend, occupé cœur nous avec bagaille inutile, je dis. Pas quitter orgueil prendre, pas quitter hypocrisie prendre, parce que c'est ça qui définit nous. Pas quitter la haine entrer dans cœur nous pour n'avoir pas les gens qui sont à côté nous. Parce que c'est l'évangile qu'on a fait. Si on a fait l'évangile, nous ne pouvons pas l'apprendre bien dans le ciel là. Dans Ephésiens chapitre 4.
À partir du verset 17 à continuer, la parole de Dieu dit, Pinga ou ven nan mitan nou, moun ki kembi lot nan kèyo. Pinga ou ven nan mitan nou, moun ki gen san wo, n'importe ti bagay yo mote. Pinga ou ven nan mitan nou, moun ki ray lot. Yo pa, nou pa de gen ken kalite, méchanceté kap fèt nan mitan nou. C'est sa parole bon Dieu dit. Eh bien, si pou nou pa gen méchanceté kap fèt nan mitan nou, fòk nou pa bay moun ki bon kote nou pour te charge nou. Problème non, c'est problème pas me nier. Au contraire, c'est monde qui bon côté pour aider me briller, pour me sortir là-dedans. Mais pourtant, je dis hein, la peur tellement emparé nous que nous pas même ouais, monde qui bon côté nous comme un monde qui ca aider pour nous sortir dans problème non. Mais nous garder nous monde qui bon côté nous comme une cible. Nous elle, eh bien, nous elle comme un monde c'est lui même le problème non. C'est lui problème non. Ennemi ou marié avec un monde en dedans caille et puis ennemi lo a parlé de ennemi de qui ça parler lui-même. Dans qui ciel nous voilà là? Qui bon Dieu n'a servi là? Qui Jésus n'a brûlé? Quand ennemi c'est madame ou? Quand ennemi c'est mari ou? Quand ennemi c'est mon qui bon koto, chita bon koto pas adorer avec là, c'est lui ennemi. Dans qui ciel nous voilà? David cherchait identifier ennemi là et le David fin identifier ennemi. Il y a un bagage que David fait. David reconnaît que pour gagner victoire sur l'ennemi, l'Alchita sous relation avec mon Dieu. Regarde mon Dieu avec l'église. Sous qui c'est David Alchita? L'Alchita sous relation avec mon Dieu pour connaître que le cas gagne une bataille. Pour qui ça? Parce que relation David avec mon Dieu fait de David yon mighty armé. Relation David, oui. Relation David gagne avec mon Dieu, lui fait de David yon mighty armé. Yon mighty armé, ça veut dire que on moun kawe David campé. Mais pourtant, derrière David en esprit, là où on a regardé, il y a son l'armée que je vais me raconter qui derrière David. Pour qui ça? Toute l'armée, ça, lui constituait la relation de David avec l'Éternel. David comptait sur la relation avec mon Dieu. David dit comme ça que si l'aime maintenant, jardin, m'a occupé, mouton papa mio. Pendant m'a occupé, les lions paraissent devant moi, l'ours paraissent devant moi. Bon Dieu, bon pouvoir. Bon Dieu, oui. Bon Dieu, bon pouvoir pour me kembe ou déchirer ou retirer mouton dans la bouche. Et bien, même bon Dieu, ça qui te délivre en bas bouche lion, en bas bouche lucio, même bon Dieu, ça qui a accès, qui a pouvoir, qui a capacité, qui a délivré devant Goliath. Et David, campé sous expérience ça, que le gagne avec bon Dieu, qui bat les relations que le gagne avec bon Dieu, et bien, David dit l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Bon Dieu, je ne sais pas si j'aimerais réfléchir un jour où tu es dans une bataille. Et puis, pendant la bataille, je ne sais pas qui ça vous fait. La situation paraît drôle devant vous. Et puis, vous cherchez bon Dieu. Vous demandez bon Dieu, faut bagaille pour moi. Non? Parce que vous n'avez pas à goûter. Vous n'avez pas à bataille. Et quand je m'explique ça, nous sommes dans une bataille en Haïti. Et puis, pendant que je m'appelle la prière, et puis, je dois m'y prendre en dedans l'église. Côté marine, je me et puis, pendant que je dormi, en dans l'église, je suis un monde qui paraît devant moi. Je me suis dit, je vais faire un bagage pour vous. Je me suis fait bouche tout le monde pour courir de l'eau. Vous me levez. Levez, me levez, faiblesse qui est dans moi disparaît. Parce que le monde qui t'a dû parler avec moi, je me tends des voiles. Et puisque je me tends des voiles, je connais, victoire, c'est pour moi lié. Parce que bon Dieu, je parle. Dans la relation, le monde qui a cherché bon Dieu, bien aimé, je tout ça encore pas à honte. De vous chercher bon Dieu avec tout cœur, ou à chercher bon Dieu avec tout amour, ou pas qu'à honte. C'est ça qui est arrivé David. David connaît qui relation que le gars avec mon Dieu. Et puisqu'il connaît qui relation avec mon Dieu, et bien il connaît le pral dans la bataille, mais ce n'est pas lui qui pral. Le pral affronter ennemi, ce n'est pas lui qui pral affronter, mais c'est l'Éternel des armées qui pral affronter ennemi pour lui. David dit Goliath, regardez comment il a couru sous moi. Avec épée, javelot, mais moi-même. Vous comprenez ce qui s'est passé? Je suis avancé sous vous. Non de pas moi-même, m'a marché sous vous au nom de l'Éternel des armées. Et il y a un bagage que nous paraît mais fait. Nous paraît mais mettre bon Dieu devant, là nous une victoire. Quand nous prenons victoire là, nous commençons à dire c'est relation nous. C'est ça nous y est. C'est pour date n'a prié. Et mais c'est temps nous qui nous passer la caille bon Dieu ba nous. C'est pas ça pour nous faire. C'est si nous gagne victoire aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Parce que qui monde là aujourd'hui, c'est des fonds yo t'a brûlé. Dans jour qu'a venir yo. T'as fait une exactement, oui. C'est dans la prison d'Abiyo. Si je bats mourir. Si je bats mourir, c'est dans la prison d'Abiyo. Et je viens reconnaître que je suis dans la prison, c'est après que je suis sorti dans le champ de bataille. Là, oui. Là, je suis sorti dans le champ de bataille, là, et je réfléchis.
Si ça a dépassé, si bon Dieu pas fait intervention, et moun qui défend mouyo, ou moun qui essaye, et pas ici, non? Bon Dieu utilise bouche ou américain, ou black américain pour défendre mouyo. Et l'homme fin sorti en dedans, m'a réfléchi. Non, ça même si moi dans la rue, m'a pas songé, m'a pas connu, de ce fait, m'a pas pour me dire merci, même pour me dire Jésus de Nazareth, merci. Sinon, c'est dans la prison, m'a pas. Nous ne pouvons pas dire des gens qui sont dans la prison après 40 ans, ils ont mis le dehors et ils ont dit qu'ils étaient innocents. Nous n'avons pas les mêmes conséquences. Pas d'avoir un bloc pour la vie. Mais Jésus-Christ de Nazareth, comme une victoire là. Puisque même innocent, Jésus mettait dehors. Vous avez mis tout espoir sur qui est-ce que vous vouliez? Pas compter sous tête tout. Parce que si vous comptez sous tête tout, la vie va passer mal. Attendez, ça me dit encore oui. Si vous comptez sous tête tout, la vie va passer mal. Seulement ça pour faire quitter espoir. Non Jésus et Jésus seul. Que bon Dieu bénisse. Frère chérie, n'oubliez pas.